Good morgen, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Richard, Ben Fortuné Mazal, Claude Itrak, Ben Fortuné Mazal, Eliaou Vanish et Lili Rachel Bat Asher. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez sa communauté éternelle. Nous étudions Maserhet Shkalim, Perek Vav, Mishnah Hey. Shlosha Asar Shofarot Ayuba Migdash, Veketuv Alem, Tiklin Chadetin, Vetiklin Atikin, Kinin, Vegozleola, Etzim, Olevona, Zahav, Lechaporet, Lechaporet, et Shisha Lindava. Tiklin Chadetin, Shibichol Shana Veshana, Atikin, Michel Oshaka Leshtakad, Shokel Leshana Abba, Kinin, Hem Torim, Vegozle Ola, Hem Beneyona, Vechulan Olot, Divri Rabbi Yuda, Vachamim Omrim, Kinin, Echad Chatad, Vechad Ola, Vegozle Ola, Kulam Olot. On s'intéresse dans notre Mishnah à, vous vous rappelez, depuis la première Mishnah du chapitre, on avait les 13. Les 13 tables, il y avait les 13 chauffarotes, 13 tables et 13 lieux où on se prosterne. Les Mishnah d'après ont commencé à nous préciser les 13 lieux où on se prosterne au Beth Amikdash. Après, la Mishnah précédente, c'était pour nous dire où se trouvaient les 13 tables au total dans toute la Hazara. Il y avait les tables sur lesquelles on dépeçait les animaux, on les décortiquait, et les tables du Lechem Apanim et tout ça. Et puis maintenant, on revient sur le sujet essentiel de Shkalim, qui est les 13 chauffarot, les 13 caisses où on récoltait l'argent, les 13 urnes. C'est-à-dire quand on partait au Beth Amikdash, je ne sais pas où elles étaient placées, dans la Hazara, elles étaient, apparemment. Donc, il fallait entrer dans la Hazara, il y avait là-bas 13 urnes où on pouvait, on apprendrait, elles étaient en forme circulaire en fait, où là-bas, selon le cas, on mettait l'argent, le don qu'on avait voulu faire au Beth Amikdash, 13 destinations comme ce que la Mishnah nous précise. Donc il y avait 13, Shloshasar Shofarot, ça s'appelle un chauffard, on a déjà dit. Un chauffard parce que d'un côté il est très ouvert, de l'autre côté il est une petite ouverture. Idem, pour les caisses, on ramasse de l'argent. Alors l'endroit où on rentre, c'est petit, c'est étroit, comme ça on ne peut pas mettre la main, puis après on peut récupérer dans un endroit plus large. Donc, Shloshasar Shofarot Ayub Amikdash, il y avait 13 urnes pour récolter l'argent au Bet Amikdash. Des Katou Valem, et il y avait écrit dessus, Tiklin Chadetin, les nouveaux Shkalim. Et Vetiklin Atikin, et les Shkalim anciens. La Mishnah plus loin va nous le préciser exactement ce que c'est, je vous le dis déjà tout de suite. Il y a, depuis de Nissan à Nissan, c'est la. Chaque année, il faut récolter l'argent pour l'année. Je dois payer ma cotisation pour cette nouvelle année, et l'année, elle est calculée depuis Nissan jusqu'à Nissan. Donc, si je paye dans l'année, j'amène ça dans la caisse essentielle des Tiklin Chadetin. Ça en a ramené un Tiklin des Shkalim. C'est fréquent, si vous savez le. Le taf et le shin, ils se remplacent fréquemment entre l'araméen et l'hébreu. Ouais, on dit shalosh, ça devient tlat. Et shkalim, ça devient tiklin. Atikin, ça devient. C'est yeshanim, d'accord. On peut trouver un lien, mais on ne veut pas trop. D'accord. Donc il y a tiklin, chadetin. Et donc ceux qui ont payé leur cotisation, c'est-à-dire qui n'ont pas le temps de la porter, ils ont eu un empêchement, ils se retrouvent à Amikdash, ils peuvent payer encore leur cotisation jusqu'au 29 Adar. Passé le lendemain, ils ne pourront plus payer dans la Tiklin Atikin, Tiklin Chadetin, dans le nouveau Chadetin, Chadetin, le taf, remplacez-le avec le Shin, ça fait Chadashim. Donc Shkalim Chadashim, il ne pourra plus payer avec les Shkalim Chadashim, il devra payer dans la Tiklin Atikin, dans les Shkalim anciens. À part ça, il y avait une autre urne, on savait déjà deux urnes, Kinin, une il y avait marqué Kinin, et l'autre il y avait marqué Gozle Ola. Kinin, alors là si vous vous rappelez de Maserhet Kinin, vous savez exactement de quoi on parle, c'est une paire d'oiseaux. Et Gozle Ola, c'est aussi des Gozalot, cette fois-ci, c'est des oisillons de Ola. C'est un sujet relativement flou, en fait, c'est deux urnes, attention. Ça va être précisé à la fin de la Mishnah. Alors peut-être que là, cette fois-ci, on va attendre d'arriver à la fin de la Mishnah pour préciser. Donc concrètement, c'était dans des situations où on devait apporter des volailles en corban, pour la femme qui a accouché, pour la Tarata Metzora, selon le cas. D'accord, il y a différents kinin ou gozlo là, il fallait apporter par paire. Par paire, alors là, c'est là où ça va être la discussion, parce que c'est des paires de holot, et une, elle nous parle des tourterelles, des kinin, des tourterelles, et les bneyona, c'est des petits pigeons, dans leur première année. Les tourterelles, elles doivent être grands, adultes, plus qu'un an, et un mois, et les autres, les pigeons, ils doivent être justement jusqu'à un an. Ou bien, est-ce que c'est tous les deux holas, ou c'est un hola khatat, comme on va dans le Mishnah. Des kinin et gozleola. Donc ça nous fait maintenant 4. Etzim, celui qui veut faire un don pour le bois, le combustible pour le misbéach, le bois,
il était l'argent là-bas, on récoltait l'argent, on allait acheter du bois spécialement avec ça. Ou l'Evona, c'est une sorte d'encens aussi qu'on faisait brûler sur le Misbéar, celui qui voulait en faire. À part ça, il y avait aussi Zahav la Kaporet. Zahav la Kaporet. Alors, Kaporet, c'est pas l'or qui. De la Kaporet. Kaporet, en hébreu, dans la Torah, la Kaporet, c'est le couvercle du Aaron Abrit. Mais en réalité, tous les ustensiles du Beth Amikdash, ils s'appelaient Kippurei Zahav. C'est comme ça que c'est rapporté dans le Passouk, un Passouk de je ne sais plus où. Donc, on dira Yamim. Il y a donc de l'or pour les apporter des ustensiles. Celui qui veut faire don d'un ustensile au Beth Amikdash, on avait besoin de toutes sortes d'ustensiles pour récolter le sang, même de fourchettes, même de fourches, même tout. Donc, il y avait là une caisse spéciale où il mettait de l'argent à l'équipe pour les arbres. Donc ça nous fait déjà 7, ouais. On a dit Tiklin Khaditin et Tikin, Kine de Gozaleola, et Tsim Levona, Zav, ça nous fait 7. Et maintenant on a 6 Lindava, Beshisha Lindava. 6 pour les Lindava, pour les dons. C'est-à-dire pour faire des korbanotes. Des korbanotes, on avait déjà évoqué le principe de Keitsamis Bear, par exemple. Toutes sortes de dons, on va préciser après davantage, mais. C'est-à-dire, quand je voulais faire le don d'une Ola au Beth Amikdash, par exemple, j'étais pas obligé d'acheter un animal et de l'apporter. Je pouvais partir, je mettais le prix l'argent dans la caisse, et puis j'étais sûr que les Kohanim, tous les jours même, je crois, ils retiraient de l'argent pour aller acheter, d'autres corbanotes, et puis offrir les corbanotes selon ce qu'on avait fait comme don. Précisément, il en fallait 6. Alors là, le Bar Tanoura nous rapporte toute une liste. Qu'en réalité, une grande partie de la liste, ce sera des motards, des restes. C'est-à-dire, imaginez qu'en fait, moi, je devais apporter un korban khatat. J'avais déjà commencé à prélever de l'argent. Ou un cham. J'avais prélevé de l'argent. Et puis après, j'ai plus retrouvé cet argent, et j'ai dû prendre un autre argent pour amener mon khatat. L'argent que j'ai, le premier argent que j'avais prélevé, que j'avais destiné, il reste kadosh. Il s'appellera motard khatat, motard ola. Et dans ce cas-là, je devrais la porter dans une caisse, selon le nom. Je vous dis tout de suite les noms très rapidement. Il y avait un que c'était Motar Khatat, Motar Hacham, Motar Kinezavim, Mezavot, Veyoldot, toutes sortes de circonstances où j'avais prélevé de l'argent. Et finalement, je me suis retrouvé avec un excédent. Donc je le mettais là-bas dans la caisse, et puis on apportait avec ça des korbanot. Varevi Motar Korbanot Nazir, pour le Nazir spécialement, une caisse spéciale. Une pour le Hacham Metzora, et l'autre, Nedavastam, un don, Tam. Je voulais faire une Ola, tout simplement. Ok. Maintenant, on continue. Donc, si Shalindava, maintenant on va apporter quelques petites précisions. Tiklin Khadin, on a dit dans FK. Tiklin Khadin, il y a un nouveau Shkalim, Shebechol Shana Veshana. Chaque année et année, on devait apporter notre cotisation pour l'année. Si toutefois on n'avait pas payé, alors il y avait les Atikin, les anciens. Mi, Shelo, Shakal, Shtakad. Celui qui n'a pas payé l'année précédente, il a déjà fini l'année. Il n'a pas eu le temps de cotiser, il n'a pas. D'accord. Donc il payera maintenant sa cotisation pour l'année dernière. Shokel le Shana Abba, il payera pour l'année d'après, mais ça ira plus dans la caisse des Shkalim de la nouvelle année, parce que là, Midesh Shana Beshana, Shana Beshana, c'est dit dans le Pazouk, je cotise cette année pour cette année, je ne peux pas cotiser d'une année sur l'autre. Donc, ce que je dois pour l'année passée, je ne ferai plus des korbanotes, des korban tamid et des korbanotes tzibour de l'année, mais on fera plutôt, on achètera des olot keit semizbeach. Ensuite, kinin, alors là, maintenant on arrive, on avait dit kinin et gozali, et gozale ola, littéralement, kinin, c'est un kan, c'est un. Qui karikan sipor le fanecha. Dans la Torah, c'est dit un kan, un nid. En fait, c'est parce qu'il faut apporter les oiseaux par paire. Alors la Mishnah me dit comme ça, kinin, c'est les torim, hem torim, c'est les tourterelles, qui ont plus d'un an et un jour, c'est une espèce d'oiseau, donc un peu plus gros. Ve gozale ola, et les gozale ola en beneyona. En fait, tout ça, ce sont des kulan olot, tous sont des olot. Les beneyona, ce sont des petits pigeons dans leur première année. La Torah l'insistait, lorsque tu apportes des tourterelles, un an et un mois, des pigeons, moins d'un an. D'accord? Mais tout est en korban ola. Divrei Rabbi Yehuda tel avi de Rabbi Yehuda. Tandis que Vachachamim Omrim, Chachamim disent non. Kinin, dans la caisse où il y avait écrit kinin, où il fallait apporter les kinin, tu sais c'est quoi? C'est Echad Khatat ve Echad Ola. Un qui est Khatat et un qui est Ola. Et tandis que Vegozle Ola, Kulan Olot. Et là où il y a marqué Gozle Ola, alors c'est tous des Olot et on fait plus de différence maintenant. Est-ce que c'est des kinin, des Torim Obne Yona? Je m'explique un petit peu mieux parce que là, ça demandait à préciser de quelle est la discussion. En fait, selon Rabbi Yehuda, d'abord, très bien, quand on apporte des Vevi
Tori, Moshne, Ben Yona, c'est des phrases que vous avez sûrement connues dans la Torah, on les rencontre fréquemment. Kinim, Obne Yona. Torim, Obne Yona. Maintenant, il faut savoir, selon le cas, des fois on apporte deux holot, et des fois c'est un khatat et un hola. D'accord? Ça, c'est dans Maseret Kinim, on connaissait ça, il y avait Kine Chova et Kine Nedava. Maintenant, il y a selon Rabbi Yehuda, alors Rabbi Yehuda, maintenant, la logique la plus simple, on lit le texte, il y a marqué Kinim, donc Kinim, on sait c'est quoi le Kinim. Mais tu dis Maseret Kinim, il y a Kine Chova, un khatat et un hola. C'est la vie de Chachamim. Rabbi Yehuda, il a un problème avec ça. Parce que, en fait, il peut y avoir une situation catastrophique. C'est si toutefois, imaginons, on avait 10 personnes qui ont apporté aujourd'hui de l'argent pour acheter des kinim. Pour mettre des. Imaginez qu'on cotisait pour les khatat et ola, comme ce qu'il propose Chachamim. Donc 10 personnes sont venues cotiser. Le Kohen, le soir, il récupère. Il va, disons, il va se retrouver avec 400 dans l'après-midi. Il va ouvrir, le petit matin même. Il va ouvrir la caisse. Il va trouver 400 chez elle. Donc il va dire ah, donc ça fait 20. Ça va me faire 10 paires. Chacun ça coûte 20 shekels, disons. Tac, 40 x 10. Maintenant, imaginez donc il va aller partir acheter maintenant. Il va partir acheter 20 oiseaux, paires d'oiseaux. Et chaque fois, il va prendre, il va dire bon, ça, je prends un khatat et un rola. Et je prends un khatat et un rola. Et un khatat et un rola. En fait, il peut y avoir une situation catastrophique. C'est si toutefois, il y a une personne qui doit porter son korban qui est décédée. Alors là, on a une règle, on est bloqué. Une hola, quelqu'un qui meurt. On peut apporter quand même la hola qu'il avait prélevée. Mais quelqu'un qui devait apporter un korban khatat, alors on ne pourra plus apporter son korban khatat. Rabbi Yehuda, il va dire, peut-être qu'il y en aura un qui va mourir. Et s'il y en a un qui va mourir, eh ben, on va se retrouver que toute la caisse, elle ne va plus être utilisable. Même si en général, on ne craint pas que quelqu'un meure. Imaginez qu'on va apprendre concrètement, l'agma dans Yoma Davka, dans les 10 derniers pims du Daf Yomi, on a parlé de ça exactement. L'agma nous dit, c'est pas qu'on craint qu'il meure. Imaginez qu'on va apprendre réellement qu'il est mort. On va se retrouver maintenant avec toute la caisse. Il va y avoir son argent qui est mélangé dans l'histoire, on ne sait pas où est-ce qu'il est précisément. Puisqu'il a. Maintenant, du coup, à cause de ça, on va se retrouver dans une situation où toute la caisse, il va falloir la détruire, elle n'est plus utilisable, l'argent il a été bloqué, inutilisable. Donc, du coup, Rabbi Yehuda, il nous dit on n'apporte pas des khatat, kiné khatat, en mettant dans la caisse. Celui qui donne un khatat, il apporte directement des oiseaux, il le donne au coin, comme ça, on a un rapport direct avec celui qui offre. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Vesalah.